petite poule grise. Bonjour à tous. Mon ami a des choses d'importance à communiquer à la terre entière. Il est temps de sauver tous ces pécheurs qui n'aiment pas Jésus. Je suis l'amour, la paix, la joie, la résurrection et la vie. Baisez les personnes ici présentes. Par pitié, je vous demande de m'écouter. Mon cœur déborde de miséricorde. Dites aux prêtres et à tous ceux que vous rencontrerez, ce que vous venez de voir et d'entendre frapperont la poitrine. Ceux qui luttent et refusent d'entendre les paroles que cette humble servante a prononcées. Nous unis, Jérusalem, céleste, occidentale. Attention, vous tous qui tenez voilées les paroles prophétiques qui vous ont été remises. Vous à qui j'ai demandé d'annoncer mon message, vous êtes coupables de laisser le monde dans l'ignorance de ce qui doit arriver bientôt. Et voici les commandements que doit respecter chaque personne. Travailler jusqu'à l'élévation de la croix glorieuse. Car tout homme qui sera venu s'y repentir sera sauvé. Vous verrez cette croix encore trois fois. Tous viendront s'y repentir. Dites aux prêtres que la croix glorieuse élevée à cet endroit soit comparable à Jérusalem. Le prêtre ne doit pas quitter sa paroisse avant l'accomplissement de la tâche qui lui est demandée. Jésus a dit, c'est par cet ultime message qu'il plaît à Dieu de sauver le monde. Dixit Dominus, agissez avec chacun selon votre cœur. Attention, vous tous qui tenez voilées les paroles prophétiques qui vous ont été remises. Moïse et les prophètes, adorateurs d'Allah, Abdullah. Vous à qui j'ai demandé d'annoncer mon message, vous êtes coupables de laisser le monde dans l'ignorance de ce qui doit arriver bientôt. Par pitié, je vous demande de m'écouter. Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohamed, Ferte Magdalena, Civitas, Dozulea, de Corabitur, per Santam Crucem, et Edificat Sanctuarium, Domino in Monte Egios. Dites ceci à haute voix aux personnes qui disent le chapelet avec vous. Hâtez-vous d'annoncer au monde ce que vous avez vu et entendu en mon nom. Donnez l'ordre à l'évêché d'annoncer ma loi, afin de faire élever la croix glorieuse et le sanctuaire de la réconciliation. Adorateur d'Allah, Abdullah. Donnez l'ordre à l'évêché d'annoncer ma loi afin de faire élever la croix glorieuse et le sanctuaire de la réconciliation. Lorsque la croix glorieuse sera élevée de terre, j'attirerai tout à moi. L'ordre à l'évêché d'annoncer ma loi. Tous y trouveront la paix et la joie en Dieu. Vous qui n'exécutez pas la parole de mon Père, votre châtiment sera grand. Et quoi de mort et odétis. Dites ceci à haute voix. Dites ceci à haute voix. Ayez la bonté de répéter ceci. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Abdullah. Je suis l'amour, la paix, la joie. Ne laissez pas l'humanité courir à sa perte. Il n'y aura pas d'autre signe que le signe de Dieu lui-même. Car c'est par le nombre des sauvés que vous serez jugés. Ces paroles qui sont les paroles de Dieu. Ne voyez-vous pas que le temps est venu à cause des phénomènes qui s'en suivent? Et ces paroles sont irréfutables. N'employez pas le moyen de la sagesse et de la réflexion. Excepte Domenos. Mais écoutez la folie du message. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Écoutez la folie du message. Dixit Dominus. Dixit Dominus. Dixit Dominus.